Même chez les Égyptiens, Pharaon ne pouvait se déplacer qu'en la présence du grand prêtre. C'est-à-dire, rien n'était fait, absolument rien n'était fait sans l'assentiment. Pour la raison suivante, c'est qu'il y avait un code de l'honneur. Tu parles des Japonais, voilà. C'est un code de l'honneur qui était sur toute la planète. Ça veut dire que les peuples, sans se concerter, avaient déjà cette chose-là. Dès que le code de l'honneur est franchi, aussi brutalement qu'on l'imagine dans les futurs États-Unis, ça devient la chienlit, parce que les peuples qui n'ont plus l'application du code de l'honneur, ils n'ont pas cette manière tordue de fonctionner. Militairement, ils sont perdus. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme les Espagnols, ils arrivent à 115, hein, les Espagnols, en Mésoamérique, et ils vont l'emporter sur des groupes de 20 à 60 000 hommes. Tout ça parce qu'ils sont armés, d'une part, et puis qu'ils n'hésitent absolument pas à trahir, à faire des pièges, etc., etc. Voilà. On ne vous aura pas dit, par exemple, pour la prise de Mexico, ces 115-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ouais, c'est pendant une fête. Pendant que les gens festoyaient, ils avaient donné évidemment de l'alcool qui était tout neuf pour ces braves gens. Et quand ils ont été bien partis, ils ont fermé l'enceinte, etc., etc. Ils ont foutu le feu, voilà. 40 000 victimes. Bien. Hein ? Ah, c'est efficace. Ça, c'est de l'art militaire sans limite. Mais le problème, c'est que ça détruit une civilisation, puisqu'ils ont fait la même chose avec les livres. Il n'y a pas eu besoin de faire une petite fête. Ils ont pris tous les bouquins, ils les ont mis en pile, et hop, on a foutu le feu. Il ne reste que trois codex de cette culture-là. Oui. C'était quoi leur intérêt pour les livres ? Pourquoi était-il venu, tu veux dire, dans les Nouvelles Indes ? Pour l'or, c'est tout ? Oui, enfin, ça leur coûtait rien que les livres restent, en fait. Enfin... Ça a toujours été la même chose. On a l'exemple, on dit que les musulmans disent ceci, c'est-à-dire tout est dans le Coran. Donc on n'a pas besoin de livres, donc on brûle tous les livres. C'est la même chose qu'on avait eu justement avec les albigeois, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ça swig. Donc ça, c'est plus idéologique que pragmatique, c'est ça que... Non, c'est un pragmatisme certain et militaire, parce qu'on sait que si on tue une culture, il n'y aura plus d'armée après. Voilà, c'est terminé, parce que ce qui fait, aussi curieusement que cela paraisse, l'intérêt d'un pays, c'est la culture qui s'infiltre jusque dans l'armée. La culture de l'honneur, elle est en train de déserter à toute vitesse. Maintenant, il y a n'importe qui à l'armée. Et quand je dis n'importe qui, c'est sévère. Hein. Voilà, on regroupe des alcooliques, il y a des camés quand on peut, etc. Mais il y a des gens bien. Il y a un type là, dont j'ai appris l'histoire un peu sauvage. C'était l'un des meilleurs militaires de l'armée américaine. C'est normal, il avait passé 5 ans à la Légion. Il était primé dans tous les coins de l'armée américaine, mais nos légionnaires, face au bidas là-bas, on leur met une déculottée. Oui, non, mais je dis ça, c'est sans cocorico, puisque la Légion, comme tu dois savoir, elle est constituée de beaucoup de gens qui doivent à la France l'honneur de continuer à vivre dignement, mais ça n'a rien à faire avec cocorico, ça a à faire avec l'esprit militaire. C'est autre chose.